Shalom, shalom, shalom de Paris, shalom, shalom pour faire Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcière, shalom, shalom. Shalom, beaucoup de personnes, beaucoup sont en train de s'inquiéter, sachant que le prophète a pris le vol cette nuit, et qui est arrivé à Paris. Voilà, donc comme je n'ai pas donné de nouvelles, ouais, j'étais justement fatigué, voilà, fatigué, donc je suis venu justement. J'ai pas eu de soucis. L'attentat s'est passé à Orly et moi je suis descendu à Charles de Gaulle, à l'opposé. Sinon, je suis très bien arrivé, je suis à Paris. Voilà, j'ai vu beaucoup de messages qui s'inquiétaient, est-ce que papa est bien arrivé? Beaucoup, j'ai vu plus d'une trentaine de messages tout à l'heure. Je suis arrivé à Charles de Gaulle. Voilà, par la grâce de Dieu, l'attentat, les choses sont passées à Orly, c'est-à-dire à l'opposé. Moi je suis arrivé à Charles de Gaulle très bien. J'ai été très bien accueilli, c'est une question de limousine maintenant. Hein. Ah, la France, c'est le peuple. J'ai voyagé en première classe. J'ai attendu de manier tes critiques tout à l'heure. Ça va combler tout. Voilà, donc, on voyage en première classe. Limousine. Je suis à Paris. Voilà, moi je suis de Saint-Chadel. Voilà, donc je suis bien arrivé. Ouais, merci, cher sergent. Que Dieu te bénisse. Kramogo, le volant. Je vois Bruno en ligne. Sinon, tout va bien, je suis à Paris. Voilà, je suis bien arrivé. Je suis à Paris. Il y a 12h ici, 22. J'attends de manger Tikliti. Tout va bien. Ils m'ont très bien accueilli. Je viens de balancer les images. Ouais, Serge, on s'attrape demain. Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, là, je vais prendre le temps de me reposer. Sinon, c'est l'accueil. Super. RS. Je suis à Paris. Ouais, il y a eu plein de monde qui s'inquiétait. Hein? Le prophète, depuis, pas de message. Pas de message. Je vois pas de message. Ouais, l'attentat s'est passé à Orly. Moi, je suis descendu à Charles de Gaulle. Voilà, Charles de Gaulle. Le vol a atterri à 5h20, 22, heure de Paris. Sinon, tout va bien par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Tout va bien. Je suis à Paris. Voilà, là, je suis à Paris. Là, tout va bien. Je suis avec tout le comité d'organisation. Cette fois-ci là, c'est bon, hein? C'est trop bon, hein? Cette fois-ci là, c'est bon, hein? C'est du bon. Chez nous, au village, on dit poussin qui a des nids coq là. Quand on voit, on connaît. Les poussins qui ont des nœuds là, quand on voit, on connaît déjà. Quelque chose là qui est bon là, qui va réussir le corps, on connaît. Sinon, tout va bien par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va très très bien. Voilà, merci. Je vois beaucoup de personnes en ligne déjà. Shalom, Meïté. Tout va bien. Ah, les gens s'inquiètent. Hein. Il y a beaucoup de messages tout à l'heure. Tout va bien. J'avais un crédit de sommeil dans mon corps. J'allais rembourser pour 2 heures du temps. Il reste pour 4 heures. J'ai dormi tout à l'heure. C'était un crédit de sommeil. Je suis descendu de l'avion. Je venais dormir. Ils viennent me réveiller. Je vais manger Tikliti. Et puis bon, j'allais encore dormir. Sinon, tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien. On dit 5 qu'il y a des nids coq là, quand on voit, on connaît. Voilà, sinon tout va bien. Voilà, merci. Voilà, merci, merci, merci. Merci au comité d'organisation de la France, super. Voilà, super, super. Je suis à Paris. Comme on n'a pas encore vu l'étude des champs, tout refait. Ça a
Et après, vous avez les images de Paris. Pour le moment, là, je vais manger, aller dormir un peu. Je suis à Paris. Homme de Dieu. Voilà, je suis à Paris. Citoyen. Les gens s'inquiétaient un peu. Là, j'ai eu beaucoup de messages inbox par rapport à ce qu'ils ont juste passé à l'aéroport d'Orly, là. Mais moi, je suis descendu à l'aéroport Charles de Gaulle. Là. Je suis descendu à l'aéroport Charles de Gaulle, bien même d'ailleurs. Ils m'ont très bien accueilli, le comité d'organisation, très bien. Nous, on vient pas, on vient en Air France. Voilà. C'est Air France. C'est en limousine, ils m'ont accueilli. Paris m'a accueilli avec limousine. Paris, c'est limousine. Hein? C'est tuyage, hein? Oui, Abraham, mets la vidéo en ligne, là. Voilà, merci. Merci, un gros. Voilà, donc, chapeau aux gens de Paris. Paris, Paris, super. La France, hein, voilà. Je suis bien arrivé. Je vous attends à Lyon. Anastasie, une Congolaise, une de mes filles. Et sa fille arrive de. Ouais, toi, comment tu vas? Ouais, merci. Air France Limousine, oui, Air France. Et puis Limousine. Dit Air France, et puis Limousine. Oui, Air France, première classe et Limousine. Je précise très bien. Il m'a dit, ah bon, Air France, Limousine. J'ai dit oui. Air France, première classe, puis Limousine. Ben, c'est pas Air France, gagné, hein. Air France, première classe, Limousine. Voilà. Chapeau. Et les gens, ils parlent pas beaucoup, mais ils sont efficaces. Ouais. Ouais, super. Quand c'est comme ça, tu sens pas le vol, hein. Tu es là, tu voles. Merci. À la fin du paquet, Air France première classe et puis limousine. Je viens de vous balancer tout à l'heure les images de limousine. D'ailleurs, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils sont efficaces. Je vous ai bien dit, c'est facile. Ceux qui sont en France, là, ils sont terribles. Hein. Ils parlent, mais ils sont efficaces. Donc, c'est une question d'affaires à suivre. C'est pas une question de faire. Ouais, merci. Tout le personnel me souhaite vous dire merci. Voilà. Sinon, tout va bien. On dit poussin, tu as donné coq là. Quand on voit, on connaît. Donc, que les premiers signes déjà, quand tu vois, tu sais que c'est bon. Ouais, c'est du bon. J'ai fait un grand coucou à tous ceux qui sont à la brigade anti-sorcier. À tous les personnels, tous les personnels, je vois déjà Bruno en ligne, je vois Joël Quadio en ligne, je vois Marie-Josiane, la secrétaire, je vois tout le monde en ligne là. Voilà, sinon tout va bien. Je suis bien arrivé. J'ai remboursé 2 heures de sommeil, j'ai à 6 heures de crédit. J'allais dormir 4 heures tout à l'heure. Sinon, je suis arrivé à Air France. Première classe. La limousine de Paris. Grosse limousine blanche. Ouais, une grosse blanche. Ah, cette fois-ci, il y a du balèze. Hein. Je disais, cette fois-ci, là, les gens vont savoir. Voilà, ça soit une forte onction de délivrance. Voilà. Ah. Les maplaos ne sont pas aidés. Hein. Ouais, le vent est aidé. Vendredi 20h au petit matin. C'est une veillée, 20h au petit matin. Le lendemain, ah mon docteur, Serge.
Ouais, docteur, comment tu vas? Je suis à Paris. Voilà, je suis à Paris. Aidez-moi à dire merci au comité d'organisation. Super. Des gens qui sont très efficaces, ils ne parlent pas beaucoup. Quand quelqu'un parle beaucoup, les n'est pas bon. Moi, oui. Non, on fait ça. Et il ne parle pas beaucoup. Surprise. Non, c'est comme ça, là, c'est bon. On fait des promesses. Puis on ne tient pas les promesses, c'est pas bon. Sinon, tout va bien. J'ai mis un peu de retard parce que je viens un peu dormir. Quand je suis descendu, je viens de réveiller. C'est pour ça que je ne vous ai pas donné mes nouvelles. Sinon, va bien. Voilà. Le général. Je suis à Paris. J'arrive d'ici 3 mois aux États-Unis. J'ai 1 an de visa dans mon passeport des États-Unis. Voilà. Je sens que en Afrique. Pour moi, 3 semaines imposées. J'ai tous les papiers. Le Canada, oui, merci. Sois béni, homme de Dieu. J'ai le Canada aussi qui. Je dois arriver au Canada pour 1 mois. Oui, le comité d'organisation, chapeau. Chapeau, comité d'organisation. Chapeau. Voilà. Limousine. Première classe, Air France. Parle pas beaucoup. On n'est plus dans bavardage. C'est des gens qui sont bien convertis, qui ont la crainte de Dieu, qui respectent les choses de Dieu. Donc vous voyez déjà l'introduction de le programme. Quand c'est comme ça, l'onction. Hein. Les Londoniens, là, vous avez peur du prophète. Tellement que vous avez ma plao. Je trousse aussi là-bas. Ils sont venus 2 fois, ils veulent faire business. Et ils vont me faire venir, puis ils vont payer à la rentrée, comme ça on va partager le sou. J'aurais dit, vous êtes vaincus, quand fatigué. Mais c'est en direct, parce qu'il y a quelqu'un, c'est en direct même, j'ai fait exprès pour dire ça en direct. Ceux qui se voient dedans, il va. Vous êtes trop sorciers à Londres. Voilà, moi je suis pas là pour faire business. Les gens viennent prendre le prophète, ils vont faire business, ils pensent que c'est le conseil Zouglou est venu faire Paris, à Londres. Voilà. Ouais, homme de Dieu, Abella, Kwasi le Noir, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Voilà, il a tout dit, non? J'ai dit à ton trochet. Ils aiment bien critiquer des gens, mais eux, ils ne sont même pas justes. Je vais prendre les gens pour faire business. Mais ils savent. Ils savent comment aller le matin. Hein. Ah non, moi, c'est comme, j'ai fait maintenant 6 mois de cela, parce que des pasteurs gabonais veulent m'inviter, au Gabon même. Et puis, ils me demandent si je viens, si voilà la sorcellerie, il y a quand ouais, les gens là dans leur bureau. J'ai dit, moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Moi, ma bouche là. Quand ça parle de... Ah. Si ton ancien sorcier dit, si le pasteur, mon détecteur l'a pris, je le dénonce en public. Ah oui. Il n'y a que des camarades dans ça. Pour dire, non, il faut la mettre en huis clos, tout ça. Moi, je dénonce ça. Là, ils ont peur de ça. Franchement, je suis content de mes enfants de la France. Il parle pas beaucoup. Non, c'est surprise. J'ai dit ok. J'ai dit waouh, vous êtes à la hauteur. Les gens m'ont mis en haut, hein. Faut pas vous aller me rabaisser. Et maintenant, ils ont mis ça en haut encore. Donc, ceux qui veulent m'envoyer en Suisse, là. Ceux qui m'ont envoyé d'Italie, là. Vous avez vu comment il a commencé, hein. Ah, faut pas vous aller m'envoyer dans Renault 4, hein.
Voilà, donc je suis content. Tout à l'heure, j'ai mangé. Voilà, tout à l'heure, j'ai mangé. Sinon, tout va bien. Super. C'est pas vraiment facile, hein, de gérer les humeurs des gens qui appellent. Oh là là, c'est pas vraiment. Chapeau au comité d'organisation, c'est pas facile. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est forcé. Il faut appeler le comité par moment. Les gens insultent, les gens ils parlent mal aux gens. Quand vous êtes en Europe, intégrez-vous. Voilà, mais c'est ça, il faut s'intégrer. Pas prendre le truc du bled là. Non, ça, chez nous, là-bas, on a ce comportement là. Moi, je ne paye pas les gars, je ne les paye pas. On a décidé d'aider leur papa spirituel. Ils se sont organisés. Et puis, ils m'ont fait venir. C'est ça, c'est ce que vous devez savoir. Ils sont organisés, ils m'ont fait venir. Donc, dites-leur merci. Quand vous appelez d'abord, vous appelez là. Celle que vous recevez au téléphone, ceux que vous recevez au téléphone, dites merci. Merci d'avoir pensé à nous, d'avoir fait venir le prophète. Et ça, j'aurai l'occasion de vous dire sans salle. Tu vois, c'est eux qui ont grouillé pour que je vienne. Je suis venu en première classe, Air France. Dites merci d'abord, avant d'appeler. Merci, Père, que vous avez fait venir. Voilà. Maintenant, si vous voulez les aider, voilà, vous apportez leur soutien. Sinon, ils ont tout fait. Ils ont tout mis. Voilà. Donc, quand vous appelez, soyez vraiment gentil, beaucoup sage, courtois. Quand vous appelez les gens, hein, voilà, c'est vraiment important tout ça. Voilà, c'est important. Ils se sont battus pour que j'arrive ici. Hein. Saint Franc n'est pas mis dedans. Il faut que je vous explique ça. Saint Franc, je n'ai pas mis dedans. Alors, Saint Franc, je n'ai pas mis dedans. Donc, vous appelez les gens, soyez sages. Et quand vous les appelez, dites d'abord merci. Merci d'avoir fait venir le prophète en Europe pour nous aider. Oui, c'est vrai, c'est trop merci. Il faut dire merci aux gens parce que vous ne savez pas comment je suis venu. C'est ce comité-là qui s'est organisé, qui a mon billet d'avion, hein, qui s'occupe de mon séjour. Vous avez la limousine, tout ça. Donc quand vous appelez là, ne pensez pas que non, c'est vous. Non, dites merci à ces personnes. Voilà, dites merci à ces personnes. En tout cas, je tire un grand chapeau. Et merci, merci, merci encore à tous mes enfants spirituels. Parce que c'est ça. Il y a enfants spirituels, puis il y a enfants spirituels. C'est pas dans la bouche un enfant. Hein? Il y a la bouche. Voilà. J'ai toujours dit aux gens, l'amour, là, c'est plus théorique que pratique. C'est pas dans la bouche. Ah, je t'aime, mais tu m'aimes comment? Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Quand on aime toujours, on donne de ce qui est plus cher. On pose des actes. Les enfants ont décidé de me faire venir. Ils m'ont fait venir. Ils ont honoré leur père, première classe, limousine. Tout est réagique ici. Quand vous appelez ce comité d'organisation, je vous en prie, quand vous appelez le comité d'organisation, prenez la peine de leur dire merci. D'abord. Merci d'avoir, n'est-ce pas, fait venir notre papa spirituel, le prophète Crasso. Vraiment merci, avant de poser des questions. Et si vous vous posez des questions, soyez beaucoup sages dans les questions que vous posez. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà. Vous ne savez pas comment je suis arrivé. Je n'ai pas mis 5 francs dedans. Hein. Maintenant, à chacun son CD. À chacun son CD. La fondation Prophète Joël Crasso Espoir de Vie. Ça fait 5 ans d'expérience sur le territoire ivoirien. Nous avons aidé beaucoup d'enfants. Donc actuellement, nous sommes en train de scolariser 500 enfants. Nous avons 1000 enfants dans nos programmes. Et nous venons de finir l'orphelinat. Les enfants sont à l'orphelinat. Donc, le 1K, un mini-K à payer pour ramasser des enfants. Nous sommes en train d'occuper de la santé des enfants, parce que dans ce temps-ci, c'est ce que nous sommes en train de faire, de parasiter les enfants, voir le retard et tout ça. La nourriture des enfants, il faut que les enfants mangent très bien. Et les enfants ont droit à l'éducation. Donc, la fondation du prophète Crasso lutte, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, le bien-être de l'enfant. Parce qu'en Afrique, c'est ça le problème. L'enfant vient au second plan. Et c'est très dangereux. L'enfant vient au second plan. Et c'est très dangereux. Donc, à chacun son CD.
Nous avons 1000 enfants. Prendre un CD devient immédiatement parrain d'un enfant. Donc un CD fait 100 euros. Ah, tu as demandé de prier, donné. Non, c'est pour parrainer. Ce n'est pas les CD. Le CD, là, il y a deux prières prophétiques. Ça fait 10 titres. Il y a acte 1, acte 2 et il y a 8 morceaux. Donc, c'est pour parrainer, c'est pour aider les gens. Comme les ventes d'enchères dans les, qu'on appelle, dans les fêtes de moisson, on peut vendre une Bible à 1 million, on peut vendre une Bible à 2 millions, on peut vendre une Bible à 3 millions. Parce qu'on veut atteindre un objectif. Voilà, c'est pas les CD ordinaires qu'on prend pour danser à 20 euros ou 15 euros. Non, ce CD-là, quand tu l'achètes, tu deviens parrain d'un enfant en difficulté que la fondation encadre. C'est cela qu'un CD est 5 euros. Voilà. Vous savez que nous, cet argent-là, nous aidons les gens. C'est ce qui est vrai parce qu'on a mis des millions de francs pour qu'on soit félina. Personne ne va nier ça aujourd'hui. Personne ne niera aussi que le prophète Crasso, chaque année, chaque novembre, chaque octobre, donne à 500 enfants des kits scolaires que nous suivons bien sûr. Par semaine, on donne l'argent aux gens. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, parce qu'on ne veut pas se faire voir, on ne peut pas se vanter. Mais on apporte de. Nous avons 30 veuves dans le cadeau. Ça dure 30 000 francs par mois. Vous voyez, c'est ce qui est vrai. Qu'on essaie de faire cette nation-là, une manière d'aider les veuves. Parce qu'en aidant une veuve, ses enfants, quand elle perd son mari, on lui arrache tout le champ. Parce que cette sorcellerie-là, tu as fait le champ avec ton mari, champ des cadeaux, tu as perdu le monsieur, tu t'es battu avec ton mari, tu as fait un champ. Et quand le défunt, le monsieur meurt, on t'arrache la plantation, on t'arrache et on te laisse comme ça tes enfants. Nous sommes en train de nous battre, n'est-ce pas, pour régler cette injustice. Voilà, donc voici un peu, à chacun son CD. Vous devenez directement parrain d'un enfant en difficulté. Voilà, donc à chacun son CD. Il y a déjà des morceaux très importants qui sont sur le CD aussi, la prière prophétique, acte 1 et acte 2. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Recevez toute la grâce de Dieu. À chacun son CD. C'est du 24-26 à Lyon. Ma base, c'est à Lyon. Voilà, ma grande base, c'est à Lyon. Il restera à Lyon pendant toute cette tournée. C'est de Lyon que j'allais, n'est-ce pas, faire les tournées. C'est de Lyon que je viendrai à Paris pour aider des personnes dans des familles. Voilà, tout. Mon secrétariat à Lyon, tout à Lyon. Voilà. La dernière fois, Lyon est venu à Paris. Donc, si vous dépendez Lyon. Voilà, donc c'est comme ça. À chacun, c'est... Voilà, non, toi, bien. N'ayez pas peur. Le passé est passé à Lyon. À l'opposé de Chabé, première classe, je tenais à signifier ça. Et puis, il a sorti le prophète, c'est limousine jusqu'à ma résidence. Voilà, chapeau. J'ai dormi, c'est maintenant que je viens de me réveiller. Voilà, donc, il fallait que je fasse la. Moi, je ne savais pas qu'on avait un truc comme ça, la Orly. J'ai vu beaucoup de messages, des personnes qui s'inquiétaient. Voilà, donc, shalom, merci de penser à moi. Et surtout, pardonnez, s'il vous plaît, dites merci au comité d'organisation. Voilà, le comité. Oui, à 50 euros, je précise très bien. 50 euros. Voilà, ce n'est pas les CD en vente là où on fait 20 euros. Hein. Les 50 euros consistent à être parrain, parrainer un enfant en difficulté. On précise très bien. C'est pour parrainer un enfant en difficulté. Voilà, quand tu prends un CD, tu deviens parrain. On écrit ton nom, tu deviens parrain d'un enfant, voilà, de la fondation. Voilà, donc je tenais à préciser ça. Voilà. Voilà, sinon tout va bien. Je suis bien arrivé. Voilà, j'attends maintenant à manger. Voilà, ça. J'attends de manger le tikliti. Voici le monsieur Leblanc.
également. Dieu, il est très bon, il fait beaucoup de choses pour moi. Voilà, voilà. Voici notre papa ici. Il fait beaucoup de choses pour nous. Ne dis pas que c'est les noirs seulement qui sont dans notre affaire. Les blancs même sont dedans. Hein. Les blancs sont dedans. Hein. Voilà, les blancs même sont dans notre affaire là. Donc, chapeau pour l'organisation. Chapeau. Ceux qui, voilà, franchement, si vous appelez le secrétariat pour vous inscrire, dites merci au comité d'organisation. Ils t'ont dit qu'ils ont tout fait. Qu'ils ont tout fait pour que je sois là. Ils ont payé le billet d'avion, Air France, première classe, ils ont, limousine. Voilà, donc chapeau au comité d'organisation, chapeau. Et déjà, il y a une forte délégation qui arrive de Londres pour le programme de Lyon. Une forte délégation arrive de Luxembourg. Une forte délégation arrive. Ouais, 50 euros pour parrainer un enfant. C'est pour parrainage d'un enfant en difficulté. Voilà, donc shalom. Voilà, je viens de. C'était juste en ligne tout à l'heure, Facebook Live, sur ma page Facebook Live. Voilà, je viens de. Voilà, pour donner de mes nouvelles. Voilà, tout va bien. Chapeau d'organisation. Shalom à vous, je vous aime bien. Je vous attends à Lyon. Par la grâce de Dieu, on aura l'occasion de chanter beaucoup de chants. Faire des délivrances surtout. Le vendredi 24, c'est de 20h au petit matin. Le samedi encore, ça serait de 15h au petit matin, les réceptions. Nous allons beaucoup mettre l'accent sur les réceptions. Beaucoup. Voilà, la réception. Donc, shalom. Je tenais encore à dire merci encore à mes enfants spirituels, le comité d'organisation. Ceux-là qui m'ont fait venir. Il faut préciser, ce n'est pas le prophète qui a payé son billet d'avion. C'est ce comité-là qui s'est organisé pour me faire venir ici. Donc, si vous appelez, dites merci au comité d'organisation. Ils ont payé mon billet d'avion. Vous avez vu combien de fois ils ont mis une limousine. Quand vous allez sur ma page tout à l'heure, vous allez voir la vidéo. Cette petite vidéo de la limousine. Voilà, donc tout, c'est eux qui s'occupent. Donc, si vous les appelez, dites merci. Shalom, que Dieu bénisse, tout va bien. J'étais en direct depuis ma part.